Sedong et 6 dixièmes. Incroyable. Il a fallu 5 secondes, toi. En voilà une qui est contente, Gilles. Ah. On revoit le jeu. Francis protège bien la rondelle à la mise en jeu. À Murphy. Le retour et Belfort est battu. Le lieu qui enfile l'aiguille. La stratégie de le garder derrière pendant la mise en jeu, Claude. Pendant qu'on s'est affairé à travailler contre Ron Francis, il a quitté son poste de pointeur pour entrer. Il était complètement seul. On ne voulait pas le placer sur la mise en jeu ou encore devant le filet. On l'a éloigné totalement du jeu. On l'a oublié sur le tir de Murphy. Voilà une bonne décision aussi de Bowman, Gilles, de garder son gros trio d'attaque. Gros trio en offensive sur les 12 secondes qui restent, ce qui force les Hawks à jouer à défensive avec, non pas le choix, Sutter et puis Graham et puis Matteau. Il n'y a plus de défensive, Claude, non? À 5-4. Voilà Steve Smith, ou plutôt Kuchera, lance la rondelle en zone adverse. On va retirer le gardien si on en a la chance. Dégagement annulé par Kuchera. Relance le disque près du but. Barrasso sorti de son filet. Oh, la rondelle qui a été poussée devant le but et c'est la fin du match. Oh, c'est venu à un cheveu. Et les Pingouins qui prennent les devants 1-0 dans cette série finale en l'emportant 5-4 avec un beau retour puisqu'ils tiraient de l'arrière 4-1. Très tôt dans le match, les Hawks ont pris les devants, se sont vraiment impliqués en offensive et ont forcé les Pingouins à jouer du hockey de rattrapage. Le mieux sur les passes de Murphy et Francis à 19-47 a réussi le but vainqueur. Et sur cette dernière séquence, on était sûr qu'on irait donc en prolongation. Et c'est Sam Wilson qui est venu sauver la situation. Le gardien était couché. Et ouf, Sam Wilson est venu toucher à la rondelle avec la main devant le filet. Et Barrasso s'en tire drôlement bien. Pénalité qui aurait été tournant dans le match, Claude. Si tu viens, la pénalité au...